since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dago Dorwan. Allez, on va procéder à la connexion. Il faut télécharger bien sûr l'application Reolink qui se trouve sur Play Store ou l'Apple Store. C'est compatible aussi les appareils Apple, donc les iPhones bien sûr, les iPads. Bon, on fait ouvrir. Je me suis créé un compte. Il faut s'enregistrer, se créer un compte. Bon, moi, je me suis créé un compte. Je me suis enregistré avec mon email. Donc voilà, hop, on rajoute la caméra, on va rajouter la caméra. Donc c'est aussi une première pour moi, donc je sais pas, j'ai pas regardé comment il faut faire pour la connexion. Donc apparemment il y a un QR code, oui, sur la caméra il y a un QR code, donc je vais le scanner. Voilà, donc ils mettent Wi-Fi non configuré. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Wi-Fi déjà configuré. Moi, je vais faire une petite pause et je vais mettre la caméra. Je ne sais pas, je pense pas qu'elle est compatible. Ça me garde. Bon, on va rester comme ça et je vais mettre Wi-Fi déjà configuré. Connexion de votre appareil en cours. Échec de connexion. Ok, donc il faut bien configurer son Wi-Fi. Please run Reolink app. Add the camera and set it up. Bon, je vais faire annuler. Je vais mettre configuration du Wi-Fi. Lancer l'application, ajouter la caméra et configurer là. J'ai entendu l'invite vocal. Oui. Suivant. Autoriser l'appli Reolink à accéder à la position de cet appareil. Voilà, je vais mettre oui, toujours autorisé. Donc je vais passer à la connexion à mon réseau Wi-Fi. Je ne vais pas vous le montrer. C'est comme ça parce que je dois indiquer mon mot de passe et le nom de mon Wi-Fi. Voilà, une fois que j'ai mis mon mot de passe de Wi-Fi, on a juste ici, il faudra scanner le QR code sur la caméra. Je vais enlever ici la protection. Voilà. Et comme ça, on va procéder à la connexion. Donc, scanner maintenant. Voilà. Voilà, c'est très rapide, ça se passe bien. Donc j'ai entendu l'invite vocal. Je vais mettre la caméra comme ça. J'ai entendu l'invite vocal, suivant. Connexion de votre appareil réussie. Créer un mot de passe de connexion. Ok, bon, je vais créer un mot de passe de connexion comme il me demande et on se revoit après. Voilà, j'ai créé mon mot de passe, maintenant il me demande de créer un nom, comme d'habitude. Je vais mettre donc Dingo d'or. Donc là, je vais mettre extérieur, parce que je vais mettre caractère non pris en charge. Il m'a mis extérieur, caractère. Bon, je vais juste mettre Dingo d'or Réo. Comme ça, on va voir si c'est bon. Ou Reolink, si je peux tout mettre. Parfait. Suivant. Initialisation terminée. Précaution relative à la caméra. Donc, les caméras batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pour réduire la consommation d'énergie de la batterie, la caméra ne se réveille que lorsque des événements de mouvement sont déclenchés ou lorsque vous accédez à la caméra via le client ou l'application. Précaution relative à la caméra. Donc la caméra détecte les événements à l'aide d'un capteur de mouvement. Pire, l'installation correcte de la caméra et donc du capteur permet de réduire les fausses alarmes et d'économiser l'énergie de la batterie. Veuillez noter que... Ouais, bon, ça c'est comme toutes les caméras. Ne pointez pas la caméra face à un miroir. Évitez les fortes interférences de signal. Tenir à l'écart des sources de chaleur. Ne pointez pas la caméra vers une source de lumière forte. Mettez pas en plein soleil, quoi.
ne pointez pas la caméra sur les objets qui bougent fréquemment ou ouais, directement sur une ampoule, ce qu'ils disent. Et ne pointez pas la caméra sur les objets qui bougent fréquemment. Ouais. Donc votre place de parking, mettez pas en fait. Ou sur la rue, en fait. Ils veulent plutôt dire sur la rue où il y a du passage. Donc ça, faites pas. Déjà, c'est interdit. Utilisez maintenant. Sauvegardez le QR de l'appareil sur votre smartphone. Utilisez. Voilà. Et là, on voit que ça filme correctement. La batterie n'est pas 100% chargée, j'ai pas chargé. Hein. Ok. Donc là, je suis pas trop loin du Wi-Fi. Bon, ça va, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas trop de latence. Ça, pour l'instant, je suis content. Il faudra voir à distance. Donc voilà, vous avez vu comment se passe la connexion. On va faire un petit tour aussi de l'application. Ça, je le ferai dans ma vidéo de test. On va regarder un peu, on va faire un peu le tour de l'application. Donc merci d'avoir regardé. Merci encore aux anciens d'avoir regardé, aux nouveaux de vous abonner. C'est très gentil à vous. C'était Dingo Dorwan.